Bref, salut YouTube, nous sommes... Et en fait, faut peut-être que je leur reparle, en fait, à tous, là. Il a dégusté le fromage. Ah bah là, c'est clair qu'il a bien dégusté. Elle sera mise sur YouTube. Ah bah oui, non, mais Naruto vivra, mais vous en faites pas. Mido n'est pas content. Est-ce que sa mère la bouffe? Mais vous avez pas de mère! Ou alors... Ou alors vous me cachez des choses. Ah, vous me cachez des choses. Il y a un truc différent, toi. Et ensuite, tu te payes un palais? Mais où est le palais? Oh bah oui, bah attendez, avec Sirubi, je pense que... Mido rage, bah là, c'est clair. Hein. Et ensuite, tu te payes un palais? Mais où est le palais? Et toi, tu racontes quoi? Mido n'est pas content. Est-ce que sa mère... Ah, mais non, d'accord, vous dites tous la même chose. Ah bah attends, je vais voir le Mido, là. Elle est famoso Mido. Le lore révélé, bah ouais, enfin. Eh, hey, Mido, parle-moi, là. Eh, hey, qu'est-ce que vous faites dans mon marais? Mais non! Mais non! Mais non! Mais non, mais c'est interdit, ça! Mais non, mais c'est interdit! Mais non, mais c'est interdit, ça! Mais qu'est-ce que vous faites dans mon marais? Mais c'est interdit, ça! Ouais, non, après, toi, tu te dis encore la même chose. Mais non, j'ai oublié de parler à lui! Oh non! On a oublié de parler à lui! Oh là, là. Maintenant, on refera une partie, hein. Vous en faites pas, on refera une partie. Lorsque vous quittez la forêt des Kokiri, vous mourrez, c'est pas une jungle. N'essayez pas de sortir de la forêt! On entend loup, ouais, moi aussi, je l'entends. Le parc ne disparaît jamais, bah ça, c'est bien. Bon. Êtes-vous prêt à aller découvrir... La Eilure, ou je sais plus quoi, là. Eilure, Mido et Shrek, ouais, il semblerait. Allez! Ah, c'est vrai que Saria m'a appris la terrible vérité, je suis enceinte. Mais non, mais pas toi aussi, Saria! Tu viendras de la forêt un jour, Damé. Parce que tu es différente de moi et mes amis. Mais pas parce que je suis enceinte que je suis différente. Mais nous sommes toujours fiancés. Ah, on est fiancés, je ne savais pas. Mais bon, bah... Je suppose que tu es le père. J'espère que vous avez con. Soyez prudent. C'est quoi, con? J'avoue, Balti. J'avoue, Balti. Ils sont tous malades, littéralement. Du coup, on vous dit, ils ont mal mangé. Vous avez un œuf de fée. Les souvenirs de Saria. Réglez C et appuyez C pour commencer à jouer. Régler dans Select Item Subscreen et appuyer sur nanana pour commencer à jouer. Vous pouvez jouer différentes notes avec la touche A et les touches C button. Appuyez sur B pour arrêter la lecture ou reprendre le morceau. Jouer Ocarina se souviendra de moi dans les bois. Tu as reçu un bout de bois. J'ai reçu un œuf de fée. C'est très bien les œufs de fée. Moi j'adore les œufs de fée. Un œuf de fée, un mélo, ah, j'avoue que c'est... Ça passe. Oh, on va rencontrer le maître des bêtises, là. Oh. Kaebura ne me déçoit pas. Tu ne peux pas me décevoir. Salut, je viens d'arriver. C'est ça, Zelda? Ouais, c'est ça, Zelda. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Je pense que s'il y a quelqu'un qui découvre Ocarina of Time avec cette ROM, il va se dire, plus jamais je joue à Zelda de ma vie. Moi, c'est bien, j'ai gagné une fiancée. Moi, je suis content, c'est bon. Arrêtez. Bon, elle a refait mes chaussures, mais... Oh, oh, Damei, cherchez la vie! Oh, non, attendez. Commençons l'apparition de l'aventure finale dans le temps. Tu vas devenir une difficulté, Oud. C'est ta chance, ne précipite pas à la boulangerie, même dans les moments difficiles. Oud, va tout droit et tu verras le château de Erl. Tu peux devenir la princesse, là-bas. J'ai hâte! Je veux devenir la princesse. Si tu ne sais pas où te perdre, consulte la carte, Oud. Appuie sur Start pour accéder à Transfert et appuie sur Z-Way pour trouver la cafetière. Le point d'éclair indiquant l'itinéraire suivant s'affiche sur l'écran inférieur de la carte. As-tu obtenu ça? Ouais, il dit pas de dialogue différent. Tu as détrôné Zelda, évidemment. Du beurre, je vois la puberté, côte. Ah, c'est un poulet, en fait. Allez, va te perdre, vas-y la carte, va te perdre. Princesse Damei, tu gagnes en rang social. Ah, mais oui, il y a des petits panneaux. Code.
Je vois la puberté. Palais Harol, région de Lang Lang. Elle pourra dans cette tas de perdre, c'est pour... Ah mais ah oui, mais en fait, il faut vraiment que j'aille me perdre, en fait. Attendez, on va aller vraiment se perdre, parce qu'il parle là-bas, là. Donc, on va aller le voir. De pas savoir où se perdre. Mais il faut regarder la carte pour ça, pour pas savoir où se perdre. Du coup, on va essayer d'aller... il faut qu'on essaye d'aller au lac Ilia. Je sais pas s'il sera... Il sera aux trois endroits en même temps. La meilleure version collector de OOT, je voulais savoir si c'était rare. Version collector de OOT. Qu'est-ce que t'entends par la version collector de OOT? En fait. Oh, j'aurais dû scanner le pirate. Bon, c'est pas grave. On en reverra d'autres. Enfant reproducteur. Bah, évidemment, hein. C'est terrible, c'est trop dark là quand même. N'ayez pas peur de Starchild, juste double. C'est terrible, monsieur. C'est terrible. Bon, alors. Iria est derrière le lac Abe, rempli d'eau claire et profonde. Jolars, qui vit dans l'eau, garde le temple englouti. Et Zora apparaît au fond du lac en tant que chocolat. Pour vérifier votre position sur la carte, appuyez sur le bouton démarrer et pointez. Appuyez ensuite sur Z ou R pour rechercher une carte. Tous les endroits que vous avez visités sont indiqués sur la carte. Oh, 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 God. Vous voulez en savoir plus? Non. Du beurre, fais attention. Pourquoi du beurre? Mais pourquoi vous dites tous du beurre? C'est pas la première fois qu'il y a quelqu'un qui dit du beurre actuellement. Il y avait Mido, je crois, qui disait du beurre. C'est une insulte, du beurre, en fait. Parce que j'avais... Non, c'est peut-être pas Mido. Il y avait quelqu'un qui avait dit du beurre aussi. Il y avait quelqu'un qui avait dit du beurre, déjà. Bah, il y avait lui, déjà. Parce que c'est bon, le beurre. En gros, la boîte est dorée, le jeu aussi. Sur la boîte, il écrit collector et le créateur de la cartouche, c'est des couleurs originales, voilà. Damei, attendez l'équipe! Yo ho ho ho! De là, dirigez-vous vers le sud jusqu'au lac Elia pour les gens riches. Continue vers l'ouest, jusqu'à la vallée de Gerd. Il y a un groupe de vêtements assis de l'autre côté de la vallée. Tu peux aller n'importe où. Oh oh oh, piège. Tu peux aller n'importe où. Il va me dire du beurre. Ah non, peu importe la difficulté, tu deviens plus belle. Oh bah merci. Oh merci. Ça me... Est-ce qu'on va voir les Gerudo maintenant ou pas? Non, on ira après. Quoique, il fait nuit. On va voir les Gerudo? Non, on ira après. Il n'y a pas que de la bière au beurre dans la cave, monsieur Potter. L'hibou te drague. C'est vrai que, en fait, dit comme ça, c'est pas terrible, en fait. Hein. Tous des flatteurs. Ouais, on va plus dire flatteur que dragueur. C'est plus sympa, je préfère un groupe de vêtements assis. J'avoue que je sais pas ce que c'est un groupe de vêtements assis. Mince, je suis. Aïe, vous faites mal. Je connaissais pas la vallée de Gerd en DLC. Ouais, c'est... Ah, vous en faites pas, les pronoms, ils vont switcher tout le temps, je pense. Pour tous les personnages, hein, pas que pour Monsieur Link. Ce ne sont pas des Gerudo, mais des Gerd, d'après. Ah ouais, on va aller voir quand même le Gerudo de... Le Gerudo, oui. Le hibou de... Cocorico. L'hibou qui flatte une femme enceinte mariée princesse. Franchement, c'est vrai qu'on en fait des choses, hein. On en fait des choses. Mais c'est vrai qu'il m'a parlé de boulangerie en plus. Il me parle de boulangerie, de cafetière et tout. Un petit Damei, yeah, mon ami. Il y a le village de Kakariko. As-tu rencontré la princesse Irululu? Sinon, nous vous recommandons d'aller au château. Vous voulez en savoir plus? Non. Damei, toi seul peux travailler. Je dois faire de mon mieux. Ganondorf est donc un Gerd. Ouais, Ganondorf est un Gerd. Mais c'est un mal surtout. Riche village riche, mort dans les montagnes pour commencer. Bon bah si, je... Comment dire que... Comment vous dire que... C'est pas très positif tout ça. Moi je ne sais que en penser là les gars. Je ne sais que en penser. Tu peux travailler, tu n'es pas diplômé sans emploi. Eh non. Nibou est donc au chômage. Lui en revanche, ouais, c'est pas dit que... On puisse travailler. Bon. Vous êtes ici, porte-document, visitez la femme de Lang Lang. On va pas visiter la femme de Lang Lang. Non, c'est...
Sacré Lang Lang. Bon, nous voilà enfin à la place du marché. Bienvenue dans la ville fortifiée d'Hyrule. C'est une ville paisible et prospère. Oh, un dialogue plutôt normal actuellement. Ingo a un dialogue pourtant. Ingo a un dialogue différent quand il n'y a pas encore Talon. On va aller le voir alors. Les hommes sont très ennuyeux. Plus le monde est fort, plus tu t'inquiètes. Eh, c'est entre toi et moi, d'accord? Cependant, briser ses lunettes peut libérer de l'énergie. Mets-toi devant le miroir et appuie sur A pour le soulever. Appuie à nouveau sur A et jette-le. Les hommes sont tellement ennuyants. Je sais pas quelqu'un que ça dérange le confinement, je crois. Bon, on va aller voir Monsieur Ingo. En espérant qu'on arrive. J'ai pas envie de jeter les lunettes pour ça. Bah si, vous devez jeter les lunettes pour ça. C'est... Allez, on veut voir la princesse Zelda aussi, là. Je veux devenir la princesse, ils ont dit. Les hommes sont scientifiques. Mais pouvez-vous donc le comprendre? Les êtres humains, c'est quand même pénible. Comprenez aussi, là. Et du bruit. Sinon je vois en 144p. La princesse fatiguée. Bienvenue à Long Long Ranch. Ah, c'est clair que Ingo, là, il va nous sortir... Oh non, j'ai freeze, là. Non, pas maintenant. Mais non. Ah, c'est bon. Donc voici mon histoire. Parce que bon, au final, hein, quitte à avoir crash, autant voir. Donc il y a les Twitter Spiders, hein. Gros poisson pêché, 0 pound. Heure du marathon, 0. 10, 0. Cavalier, 0 point. 10. 10. Twitter Spider. Bon, c'est pas si impressionnant que ça. Ah, mais tiens, oui, la vie. Daku veut rendre visite à la fille du château d'Ailar. Bon sang. Comprenez jamais aussi, là, que Daku veut visiter le... la fille de Ailar aussi, là. On dirait le nom d'un film d'auteur. Daku, il était pas mort, bah non. Il veut visiter la vie de Ailar. C'est quoi comme Rome? C'est une Rome... C'est la légende légendaire de... Ocarina. Tami, as-tu des graines? Oui, clochard. Je suis Inga et regarde la ferme. On a travaillé longtemps dans cette ferme pour casser la tarte à la citrouille. Allez, ouvrez la porte, là. J'en ai marre, là. Je vais aller voir, là. Je vais devenir la princesse. C'est vrai que le puits, c'est très mignon et coloré, mais oui, non, mais... Je ne vous permets point. Bref, nous voici enfin à Market. Alors, qu'est-ce que vous avez de beau à dire? Qui calmer? Uf, uf, je suis en retard, je suis en retard. Un jour important pour les fruits. Hey, qui a roté? Ah bah ça, c'est pas moi. Moi, je viens d'arriver. Vous pouvez tirer le meilleur parti du prix. Je crois qu'ils ont 4 dialogues. Hey, avez-vous déjà entendu que la princesse Zelda avait un fantasme dans ses rêves? Qui hybride? Cette barbe est ma fierté et ma joie. Cet enfant a-t-il l'air si riche? Bah d'accord, ok. Je ne supporte pas cette coucou. Alors pourquoi tu lui cours après? Oh, tu es très belle, comme une reine, N.A. Oh, comme vous le savez, plus beau, princesse Viselda. Oh! Laissez Zelda tranquille, SVP. Salut! Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles des monstres mangent le bouclier ayant. Dans le monde entier, tu le vois? Salut! Ma vendeuse actuelle est Irian Shield, mais je suis un garçon, il peut être trop grand. Ah bah, j'en doute pas. On sent, les a déjà vus. Ah, dans lui, peut-être pas en fait. Ah si, c'était les dents, ok. Mais lui, non! Taille et plage de prise de vue. Vous ne pouvez pas vivre avec un arc et une flèche. Volaille, 50 morceaux. La bonne volaille. Oh, la bonne volaille. Et là, qu'est-ce qu'on a? 80 ayant shield de R. Il s'agit d'une grande sculpture lourde et utilisée par les chevaliers de ayant. Ils pensent toujours. Bouclier de lion de mer. Oh, le bouclier de lion de mer. Des coups de jugland, mais ça, on avait déjà vu.
et pompe. Appuyez sur la touche C pour supprimer et appuyez sur le C pour supprimer. Si vous êtes une fille, vous pouvez l'acheter. Ah, confirmation, je ne suis pas une fille. Ok, très bien. Ah ouais, non, mais si vous le prenez comme ça, mais... Ah ouais, non, mais ok, d'accord. Non, mais là, je suis vexé, là. Moi, je suis vexé, là. La rumeur veut qu'il existe des pharmacies capables de fabriquer des médicaments de haute qualité. Salut. Ah, les enfants, pour récupérer le médicament, tu dois le mettre dans un récipient. Porte-le. Chacun, 30 rubis, c'est une bouteille de génie. Vendez quelque chose de similitaire à un local. Chacun. Ouais, très bien. 200 poissons. Attendez, c'est nouveau. Peut être conservé dans une bouteille. 200 poissons, un thon. C'est super, un thon. Un haut de bouteille. Pour le dire, si vous avez besoin d'une bouteille vide, semble comme une erreur courante. Alcool à l'insecte. Ah. Ah. 300 feux d'artifice bleu. Vous avez besoin d'une bouteille vide. Je me sens bien, elle. Feu bleu. Oh, bah, c'est une traduction correcte, là, attention. Fille. Ah bah oui. Vous avez besoin d'une bouteille vide à transporter. Ne vous battez pas sans elle. La boisson rouge. Buvez de l'alcool et reprenez votre vie sur les rails. C'est le rapport. La boisson verte. Buvez pour restaurer la lumière. C'est le rapport. Il est petit, le thon. C'est un petit thon. C'est un petit thon, il est tout gentil. Êtes-vous allé à Long Ruin Rye? Votre lait est délicieux. Trop parlé de chevaux. Tu es une fille fermière si belle. Pas une fille, veut pas vendre des pompes. Pour atteindre le Long Ruin Ranch, vous devez quitter la ville et vous diriger vers le sud à travers les champs. Vous devez visiter le ranch plusieurs fois. Bah oui, j'en doute pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Mon chien court plus vite qu'un idiot. Eh bien, je suis ravi de l'apprendre. Ne buvez pas de l'alcool, ce PNG vous ment. Hey, tes vêtements, tu es très différent. Ils sont encore partis. Oh, tu es une elfe forestière. Je m'appelle Malone. Mon père est propriétaire du Ronron Ranch. Papa est allé au château et lui a donné du lait. Il n'est pas revenu. Papa est allé au château. Ok, tu dis pas d'autres trucs. Oh, mais j'ai pas assez d'argent pour faire le... Bonjour, sauvage, c'est la ville des cheveux. Prenez votre temps et profitez du paysage. Bah, toi, t'en as pas beaucoup, en tout cas. Tournez à droite pour visiter le château de Hall. Si vous voulez voir les ruelles de la ville, prenez cette route à gauche. Je n'ai pas dansé. Ma colonne vertébrale me fait mal au kio. Franchement, là, on rigole. C'est un Zelda mal traduit, quoi. Oui, c'est un Zelda mal traduit. On rigole, mais c'est terrible, quand même. Normal, la colonne vertébrale. J'ai fait beaucoup d'argent. Je voulais en voir plus. Je sais déjà. Allons, Lakelia. Il y a trop de choses qui flottent sur la rivière. C'est vraiment amusant. La ville des cheveux. Utilisation de C. Pourquoi vendez-vous utilisation de C? As-tu entendu parler de la légende de Natarun? Non, ce sont des leaders, l'ombre d'un hélicoptère. Ils prêtent allégeance au roi Idur et protègent la famille royale. Mais après une longue paix, Sheikh n'a vu personne ici. Mais on a dit que Sheikh vivait dans le lit de la princesse. Et pas tant mieux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Connaissez-vous le temple Gif au nord-est de la ville? La légende raconte que le temple était à cette époque l'entrée du sanctuaire. Savez-vous? Hein? Alors vous saviez? Non, c'est. Pardonne-moi, il ne peut pas être utilisé, s'il vous plaît, attendez. Ouais, bon, d'accord. Bon, petit dialogue. C'est donc le fantasme de Zelda. Qui êtes-vous pour critiquer le fantasme de Zelda, bon sang? Ils disent que notre oreille irienne est assez grande pour entendre les voix des dieux. Mais je ne l'ai jamais entendu parler. Je veux rencontrer le roi Zelda. J'ai demandé une protection. Nager dans le cratère. Si tu me prends, j'irai. Il y a un petit trou sur le côté droit de là. Il semble être resserré, mais coincé ici. Roi Zelda, oui d'ailleurs, hein. Wouah, pourquoi pouvez-vous croire que ce type est assez fou pour aller au château rencontrer la princesse Zelda? Hélas, à cause de cette stupidité qui a rendu le roc plus sûr.
Bon, ça, c'est fermé la nuit. Zelda et le roi d'Hyrule, voyons. Le roi Zelda et la princesse d'Amérique. Alors, qu'est-ce que tu racontes ? Salut, Sunny ! Je vais vous donner quelques informations utiles ! Moi, c'est pas Sunny, par contre. J'ai entendu dire qu'il y a une mystérieuse flamme près du cachot. Donc ça, c'est la maison de Mickey, donc on peut pas y... on va pas y aller. Cela semble étrange, comme un troupeau de chiens errants, traversant la rue la nuit. Ça a l'air étrange ? Alors, est-ce que ça avait l'air étrange ? Eh, hey, que se passe-t-il toute la journée? Eh, hey, mec! Étonnamment, la porte ne s'est pas ouverte. Il demandait une protection pour nager dans le cratère, le gars il le fait exprès en fait. Eh, hey, mec! Quel étrange magasin! Je ne sais pas quand il ouvrira, mais il y a un signe ici. Mais ça a toujours l'air bizarre. Alors, qu'est-ce que ça dit? Boutique de masques heureux. Lisez ce panneau avant d'utiliser la tente. Comment allez-vous au centre commercial? Ce magasin ne vend pas des masques. Empruntez! Vous ne pouvez pas vendre de masques loués. Lorsque tu achètes un masque, une version modifiée est fournie. Vous pouvez louer des masques déjà vendus. Cependant, chaque type masculin ne peut être vendu qu'une seule fois. Essayez notre boutique, masquage heureux. Bon, allez, on va aller quand même apprendre la vérité sur, sur les saumons, là. Tournage 20 rubis par match, il y a 10 buts. Il y a 15 opportunités, éliminez les 10 buts. Meilleur prix pour les 10 buts, appuyez sur 8 pour plus ou plus pour essayer, enregistrer plus de 8 jeux. Tirez dans le sens indépendamment des entrepreneurs. Ne vous inquiétez pas pour les autres clients. Jouez-vous à des jeux 20 rubis par partie? Ah, je sais pas. Eh bien, vous n'avez pas besoin de jouer si vous ne le souhaitez pas. D'accord. Mince, du coup, il faut avoir 20 rubis pour avoir... Faut avoir 20 rubis pour avoir le dialogue des trucs, en fait. Allez, on y retourne. Et les types féminins, bah ça, ils peuvent être vendus plusieurs fois, il semblerait. Dame, salut, comment ça va? Non, comment ça? Tout comme ça, ouais, non. Ta princesse est dans le château. Four fonceur, attention de ne pas toucher de plastron. Pour y aller... Sur cette base, le temps influence ta vie. Oh bah c'est sympa. Mais si vous êtes au déjeuner ou en ville, vous avez encore du temps. Si vous avez le temps de travailler, vous devez quitter la ville. Où vas-tu maintenant, je vois. Vous voulez en savoir plus? Non. Oh! Oh, monsieur! On va quand même, là! Tu es une fille intelligente, fais de ton mieux. Il est déçu, il est déçu, il est déçu. On s'est pas fait avoir, on n'a pas répondu oui. Vous visitez une ville féerique? J'ai rencontré mon père. Il devait détruire ce que les autres fait le papa. Malone, t'es de quel côté? Mais t'es de quel côté, Malone? Oui, je vous enverrai une demande à cet effet. J'ai accouché de l'autre enfant. Enceinte, mon sang! Ah! Il y a des yeux bizarres, ressentez quelque chose et montez dans la voiture et suivez les trains et les T pour voir ce qui se passe. Il peut être utilisé en réglant et en appuyant sur C. Insère un œuf dans C pour le cacher. Hey, papa est-il un adulte ou un problème? C'est techniquement plutôt pas mal correct, je trouve. Oh là 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 là. Oh là là, mais qu'est-ce qui vient de se passer en l'espace de quelques secondes? Ah, si ça peut vous rassurer, on m'a prévenu, il y a quelques gros mots, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, ça peut vous rassurer. J'ai avalé ma danette de travers, bonsoir au passage. Eh bien, bonsoir, je voulais y aller la nuit, du coup, on va attendre la nuit, du coup. Malone is chaotic good. Alors je sais pas si elle est chaotic good là maintenant. Son père est un problème. Mon père est-il un adulte ou un problème?
Je vous laisse répondre à cette question. Attendez. On va faire un poll, tiens. Parce que tout le monde a que ça à faire. Alors. Voilà. Alors, Talon est-il un problème ou un adulte? Un problème, un adulte, les deux. Autoriser les votes supplémentaires, non. Alors, on va mettre ça pendant, allez, 3 minutes. Allez, c'est parti, vous avez le droit de voter. Ah, les deux ne sont pas incompatibles. Oui, oui, j'ai pas dit que les deux sont... Alors... Au moins qu'on ait un adulte qui a détruit le château. Son père est sûrement le mal malguerre, c'est juste une théorie. Talon est-il un adulte ou un squid? Alors apparemment vous êtes plus sur un problème, hein. Enfin là vous êtes plus sur les deux, mais globalement c'est plus un problème. Et une personne qui a dit que c'était un adulte quand même. Trop bien, on peut voter. Bah pourquoi vous pourriez pas voter? Ah tu veux dire si ceux qui sont sur mobile, vous pouvez tous voter? Bah je... Ouais bon... J'ai jamais fait de sondage, j'ai jamais vu quelqu'un faire un sondage sur Twitch. Du coup... Ok, il fait nuit, on va aller voir les petits chiens chiens. Ah bah oui, du coup, il y a des nouveaux NPC. Les enfants n'ont pas besoin d'être en ville la nuit. Rentre jusqu'au matin. Du coup, faudrait que j'aille parler... Ah bah oui, il y a lui aussi, là. Cela semble pour toujours. La vue matinale du château de Herrure est magnifique. Je crois que je parle à un chien, là, par mégarde. Non, allez, je veux passer la porte. Je vois plus l'écran témoignage. Essayez d'ouvrir la botte. Si vous avez la clé, vous pouvez continuer. Chance à gauche ou à droite. Dis Ruby à jouer, tu veux essayer? Non. Eh bien, vous n'avez pas besoin si vous ne le souhaitez pas. T'adulte Talon et un adulte Problematica. Vous êtes toujours sur les deux pour l'instant. Hein. Ça, c'est... Ah, il y a deux personnes qui ont voté un adulte, quand même. Il y a deux personnes qui défendent Talon, qui n'a pas voulu, je le rappelle, qui n'a pas voulu détruire le château. Ah, il n'est pas encore là, lui, le gros nul. Salut. Je ne trouve pas de chiot nulle part. Nous n'avons besoin de savoir. Bienvenue. Ah, d'accord, ok. Je ne trouve des chiens nulle part. Des chiots, même. Pas des chiens. Non, mais Damien, tu sais qu'on peut pas voter dans les prédictions. Ouais, mais là, c'est différent. Bon, on va se tromper de chien. Donc, viens là, chocolat, là. Allez, viens, chocolat. Chiops ! Ce n'est pas un chien de compétition ! Comment mélanger des chiots avec des chiots ? Hein, franchement ? Comment, franchement, moi je demande comment on peut mélanger des chiots avec des chiots. C'est inadmissible, ça. C'est impossible. Moi, je vous le dis. On ne peut pas mélanger des chiots avec des chiots. Allez, viens avec moi, Vanille. J'espère qu'il s'appelle encore Kiki. Bah, il y a peu de chances qu'il s'appelle Kiki parce que son nom de base... Ah, du coup, c'est... Les deux qui a gagné le sondage. Pierre! C'est mon petit Pierre! Merci, merci, merci! Nous vous donnerons ceci en récompense. Le cœur à quatre parties obtient un autre récipient de cœur. La multiplicité des conteneurs signifie également l'efficacité énergétique. Jouer avec tous les chiens sauvages la nuit est dangereux, non? Ils ne vous préviennent pas. Je suis curieux de connaître les chiots. Pierre comme l'épouvantail, mais c'est j'avoue en fait. Bon, il s'appelle Pierre maintenant. Alors, on préférait qui, Richard ou Pierre? Bah, il fait un sondage. On va pas faire que des sondages non plus. Suffit les sondages. Pierre le ponchio. Oh, mais on y revient, mais oui! Pierre le ponchien, ponchio, enfin, vous voyez? Oh là là! Bon, salut, homme barbu. Cela semble étrange, comme un troupeau de chiens. Ah, mais non, tu dis exactement la même chose en fait. Et voilà fortement désappointé. Bon bah. Elle est toute seule, pourquoi elle dit on? Mais parce qu'elle est avec Pierre, voyons. On va prendre l'œuf bizarre, là. On va prendre l'œuf bizarre, hein, qui devient très très bizarre. Allez, c'est parti. Oh, attendez. En fait, on va aller parler aux gardes.
Bienvenue dans la ville fortifiée d'Hyrule. C'est une ville paisible et prospère. Tu veux pas me laisser passer? Comment tu veux me laisser passer? Peut-être que je me fasse attraper une première fois, en fait. Le bizarre qui permet de monter dans la voiture d'après Malone. C'est son enfant, toujours. Boing boing, heure actuelle, 23h09. C'est maintenant le temps, le 23h40. Bonjour Usine, vous êtes un enfant. Oh, pas mal. Bonjour Usine, vous êtes... Alors, là, tu veux me laisser passer. Bienvenue. Non, tu veux toujours pas me laisser passer, mais... Bon, bon, je sais pas comment ça marche pour que lui, il me laisse passer. On va manquer un dialogue, parce que je... C'est pas clair. Mais je sais qu'on peut... On peut lui demander d'ouvrir la porte. Twitch qui ne veut plus marcher chez moi. Ah, dommage. Bah, je pense que en fait, il faut d'abord que j'aille voir Zelda, peut-être une première fois, et après, il voudra bien. De toute façon, faut retourner voir Regarde, le poulet enveloppé dans les œufs sont toujours aussi bons. C'est un miracle de vie. Bah c'est bien, c'est pas mal. C'est pas usine mais usine, il a jamais joué à Crystal de Garde. Ok, F. Bon, allez, on va aller rencontrer les deux. Un château, c'est une usine. ZZZ, il m'a chuchoté. Bienvenue, notre ferme est très intéressante. Viens voir. Mais qui est dans le frigo? Je ne peux pas fermer les yeux. Ah, toute la santé est sur place. Oui, j'ai un talon, le propriétaire de Longling Farm. Je suis allé au château pour livrer le lait. Mais si vous pensez que je suis assis, que je dors... Qui? Est-ce que le Long le cherche? Obtenez-le maintenant. Briacus et Hâte de Marron. Vous m'accepterez vraiment? Son dialogue avait zéro sens, hein, par contre. Où le tank de... Ah oui, c'est vrai qu'il veut détruire la... Bah, ils sont là, en fait. Ils veulent détruire... Ils veulent détruire le... Il veut détruire avec ses caisses, c'est peut-être des caisses explosives, on ne sait pas. J'ai même pas lu ce qu'il a vraiment dit avec le frigo. On fait du Ocarina of Time, c'est quoi? Les textes sont tous traduits... Sont tous très mal traduits et donc du coup on refait un peu le Lord Ocarina of Time. Oh non, il m'a vu. Ah non, il m'a pas vu. Nickel. Oh, pas mal ce skip de, enfin ce skip ce. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. En plus. Bonjour, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Le roi Zelda, enfin. Ah, vous aviez hâte de le voir, hein. Bah alors, je peux avoir l'argent, quand même. Voilà. Zelda avec Sheik dans la cour. Non, Sheik, il est dans le lit. Arrêtez. Sheik, il est dans le lit. D'ailleurs, bah, on n'en doute pas que Sheik est dans le lit de Zelda. Mais bon, on va pas parler de ça. Ça serait un peu du spoil. Qui? Mais qui es-tu? Comment avez-vous mordu les gardes? Avec mes dents. Hein? Oh oui! Elle est... fraîche de service? Après, tu sors de cette satanée forêt? Après, cela ne s'est pas produit. La possession esprit de la forêt de pierre? C'est toi, Petra Verde?
Mensonge ? D'accord, ne fais pas... Alors, moi, je serais plutôt d'accord que c'est pas bien de mentir. Oui, ça me semble assez mauvais. Banjo ne me convient pas non plus. Tu n'es pas vraiment ici. Dis-moi la vérité. Mensonge ? Eh bien, d'accord, inventons un mensonge. Attendre. Vous avez jamais entendu quelqu'un rire en disant « Attendre ». Mais... J'ai un rêve. Dans les nuages. Ceci est une prédiction, et c'est que quelqu'un sortira de la forêt. Oui, Salé. Oh, désolé. Ils ont participé à mon histoire, mais je n'ai pas bien recommandé. Ce sont les cheveux de Zelda qui viennent d'Iru. Quel est ton nom? Damei. Étrange, ça sonne un peu vache. Je viens de me faire insulter, là. Je me fais insulter. Déjà, elle insulte Banjo et ensuite elle m'insulte. Ensuite, elle m'insulte quoi? Bon, Damei, enseigne-moi le secret du vrai saint de la dynastie Hyrule qui est trouvé. Parce que moi, je suis censé connaître ça. Je veux un secret de tout le monde. Vérifiez, s'il vous plaît. Ne fais pas ça. Eh bien, ne sois pas stupide. Oui, bon, allez, vas-y. C'est qui le vrai saint? Eh ben, on va le savoir. Selon la légende... Oui, Damei, tu es un ange. Un peu vache, quand même. Eh, pour cacher le pouvoir de Lucie, les trois dieux, Seishin m'a donné l'envie de me retenir dans une période glorieuse. Quand une personne de mauvaise humeur exauce son souhait, le monde a raison. Du mal. Du mal. On dit que l'ancien sage a construit le temple du temps pour protéger, pour le protéger du trident maléfique. Ça fait beaucoup de shonen, c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai, lucide. Je n'ai rien compris à ta légende, hein, Zelda. Oui, le temple du temps est la porte d'entrée vers le sanctuaire... Dashu, il racontait mieux l'histoire. Cependant, l'entrée a été scellée avec un mur de pierre appelé la porte du temps. Et pour ouvrir la porte, vous devez en sélectionner trois. La vache ! Et une autre chose dont nous avons besoin est le trésor de que la famille royale a laissé dans cette légende. La flûte enchantée temporelle. C'est presque beau, je trouve. Je sais ce que je viens de dire. Pourquoi? Ah, oh, je suis désolé, je ne peux pas dire. Oui, bon, allez. La flûte enchantée temporelle. C'est ce que je viens de dire, oui. Oulala! J'ai oublié de dire. Je suis l'espion tarentule maintenant. Oui, bah oui, bien sûr. D'autres objets dont j'ai rêvé. Nuages sombres. Pensez-vous que ce sont des symboles? Ce gars est là. Peux-tu me regarder? Super. Et on va répondre non pour avoir plus de dialogue. Bienvenue, il disparaît. Si vous ne vous dépêchez pas. Super. Mal-mal va détruire le château. On va voir Mal-mal. Regardez, il est là, Mal-mal. Je vois ce méchant. Je suis Gerudov, le chef de la famille Yelor. Les Romains sont à l'ouest, dans le désert. J'ai juré allégeance à mon père, mais je ne pense pas. Dans un rêve, un nuage noir recouvrait les cheveux. Il devrait symboliser cet homme. Pourquoi est-ce arrivé? Il vous rencontrera. Arrêtez! Je ne sais pas ce que vous prévoyez, mais... Ouais. Je veux un nouveau père de rêve. Il me saoule, mon père, je l'aime pas. Alors t'inquiète, Zelda, si t'aimes pas ton père... C'est bientôt fini. Ça ne doit être qu'une prophétie. Mais je peux comprendre les regrets de ce mec. Ganondorf continuera avec la vraie force sacrée de la Triforce, qui doit être à Hyrule. Et il veut vaincre Hyrale, pas le monde entier. Maintenant, vous êtes le seul, Damei, qui peut défendre Hyrule. Bienvenue, vérifiez s'il vous plaît. Je ne crois pas en toi. Je ne crois pas en toi. Oh, c'est trop méchant. Regardez. Ouais, mais un peu m'a insulté de vache quand même. Crois-moi, ma conjecture n'a jamais été fausse. Bienvenue. Bon, allez, vérifiez s'il vous plaît, là. Allez, vérifiez. Merci beaucoup. Effrayant. J'ai senti que l'homme était naufragé.
Il doit être canon, Il est un fort ours en peluche. Mais la tempête arrive. Ganondorf ne peut pas essayer. Nous ferons de notre mieux pour protéger flux de temporel, de puissance. Il est trop nul. Tu cherches deux feuilles fantômes différentes. Et c'est la Triforce avant que Ganondorf gagne et terrasse-le. Un autre reçoit cette lettre d'amour. Je pense que ça va aider. Arrêtez de tous me draguer là, bon sang! J'ai reçu une lettre de Zelda. Waouh, cette lettre a une signature de la princesse Zelda. Sur le sous-écran options d'objets, régler. Et utiliser les touches pour afficher les personnes. Mon serviteur vous fera sortir du château. N'ayez pas peur de lui parler. Voici le serviteur. Allons voir le serviteur. Ganondorf est un gardien, non pas un Gerudorf. Je suis secoué. Et je suis responsable de la protection de la princesse Zelda. La princesse a tout prophétisé. Frère, tu es un bon garçon. Tu es sur une nouvelle aventure maintenant. Mon rôle chez Princess Dreams enseigne des mélodies dans la forêt. Et une vieille chanson royale. La princesse Zelda était une créature. Créature n'est pas d'accord. Créature et princesse Zelda. Ce registre a un pouvoir mystérieux. La ferme! Rappelle-toi de cette chanson. Même Impa n'a rien compris de ce que Zelda a dit. Bah, mais Zelda est une créature aussi, donc bon, forcément, pas facile. Respect mort avec le temps. Bah, mais il y a beaucoup de succès. Bah, arrête, mais il y a beaucoup de succès. Personne ne parle. Est-ce que ça va être écrit? Vous avez appris la perceuse Zelda? Enfin, du coup. Ah oui, vous connaissez la fête de Zelda. Ah, super, c'est la fête de Zelda. Des problèmes surviennent lorsque les soldats du château se rencontrent. Laisse-moi te chasser du château. Zelda tord du cou? Comment ça Zelda tord du cou? Prenez soin de l'enfant. Nous protégeons la belle Ilianian Nation. Regarde cette montagne. Ceci est la colonne de la mort. La maison de la famille de Galona. Ils sont pleins d'esprit. Léger. Retrouvez mon village Kakariko. Au pied de la mort. Je suis né, j'ai grandi ici. Vous devez parler aux villageois avant de gravir une montagne mortelle. Très bien. Les chansons que je viens d'enseigner ont des pouvoirs mystérieux. Seuls les membres royaux peuvent apprendre cette chanson. Aide à télécharger la famille royale. La princesse vous attend pour retourner au château de pierre. Nous croyons en toi. J'ai signé au pied de la mort. Boubonne, qu'est-ce que tu racontes là avec ton multi-twitch? Bonsoir, allez abonnez-vous à l'eau cerise et à l'ivol. C'est bien. Que j'ai raté tout le dialogue avec Zelda. Ah, Balti, c'est dommage, oui. N'inquiète, t'as pas raté grand-chose. Wow, un gros bug graphique là. Dans les escaliers. Mon bot est devenu fou, il semblerait. Il semblerait. Din din, je suis le gardien de Kashoko, l'heure actuelle 14h47, bonjour fils de ta mère. C'est même pas drôle, c'est vrai. Les femmes de Zelda, Impa, exploitent de pays assurés ensemble. Ah parce qu'elle est polygame en plus Zelda. Oulala! Actuellement, en ne pouvant que rester en groupe, mais un jour on retourne. Mais là, il y a un plot! Oh oui! En raison de la route de la montagne de la mort, montez les escaliers nord de la ville. Pour mourir de souffrance, mais vous donnez envie d'avoir la permission.
excellent. Ah, ils sont excellents. Et puis, il y a du plot, c'est incroyable. Je suis charpentier, la fatigue. Pour développer ce pays, en faire une vraie ville. Mais la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas ambitieuse. Comprenez-vous le sens? Nous, travailleurs, vivent ce pays et ne sont pas payés. Bah, tu m'étonnes qu'ils sont pas payés. Mon fils ne travaillait pas toute la journée. Dis-moi, quel prix il coûte? Alors, je commence à avoir mal à la bouche à force de rire. Là. Je veux bien l'avouer que... J'ai fait diverses constructions dans la ville toute la journée. Emportez-le toujours avec vous. Mon patron est pourri. Oh. Oh là, il y a du... Oh là, sombre petite fille, il fait froid à trois avantages. Oula, là, il y a... Oh là, là, il y a de la rancœur, là, il y a du plot, là, attention. Ouf. Que faire? Mon cousin est parti. S'il te plaît, petite fille, aide ce stylo. Ah. Très bien. Attends, d'abord je parle à lui là. Avez-vous vu Dan Fei? Oh, c'est presque comme moi. Devant. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je sais qui est Dan Fei, c'est bon, je. C'est 14h47, j'ai dû dormir dans la cabine. Aimeras-tu aller dans la forêt? Ouais, on va sauvegarder. Cimetière de Rich Country. Dan Fei. Oh, je sais qui est Dan Fei. Ouais. Coucou, c'est échappé. Prenez 6 de plus. Il fait plusieurs constructions en une journée, il est fort. Bah, attendez. C'est pas n'importe quel constructeur, quand même. Je sais aussi Damei. Oh non. Faut pas savoir qui est Dan Fei. Faut pas savoir qui est Dan Fei, s'il vous plaît. Regarde. Feu, très intéressant. Je suis moche. Bon, Voilà, hein. Je suis un musicien utile qui met le feu partout. Vous pouvez aller n'importe où. D'un côté, pensez à cette chanson, thème inspiré par le vent. Feu! Bon, c'est par le feu ou par le vent, là? Et est-ce que je peux lire la lettre, en fait? Cet article ne semble pas fonctionner ici. Non. Oh, c'est la lettre de Ruto qu'on peut lire, pas la lettre de Zelda. Il se dévalorise, mais ouais, c'est triste. Ça, on l'a déjà parlé. On n'a pas été voir encore la maison des sculptures là. Lui aussi, il fait partie du gang Calvitie au moulin. Ah, bah, c'est peut-être bien. Regarde cette pauvre fille. Elle étouffe des os lorsqu'elle est touchée. Pardon? Essaie de protéger tous les poulets. Quel soldat de la troupe impériale! Je veux l'aider, ça fait du bien aujourd'hui, pas besoin de me faire grossir! Oui, bon, alors là. Bon, allons voir la légende. Nous sommes tous pour les serments d'araignée. La malédiction est détruite lorsque toutes les araignées qui insultent sont détruites dans le monde. Une marque apparaît lorsqu'une araignée voyou est détruite, recueillie comme preuve de réussite. Mission de la station signature, icône le nombre à côté du symbole, indique le nombre d'araignées jamais déterminé. Si un symbole s'affiche à côté du nom de la zone sur l'écran du dossier, il n'y a pas d'araignée dans cette zone. On le retrouve aussi bien dans les prisons que dans les prisons. Bien sûr, c'est notre rêve. Ne le faites pas si vous ne voulez pas. Si vous brisez la malédiction de ma famille, nous, de la chirurgie esthétique. Vous m'offrez de la chirurgie esthétique, c'est ça? Trouvez que j'ai besoin de chirurgie. Yeah, culpabilité! Les araignées insultent aussi. Ah, c'est pour ça qu'il faut les tuer, hein. Vous croyez que les gens sont arachnophobes parce qu'ils ont peur des araignées? Mais pas du tout! Ils sont arachnophobes parce que les araignées, ça insulte et c'est pas très très gentil! Alors qu'est-ce que t'as de beau à me raconter, toi? C'est la Villa d'Impa, mais il n'y habite plus! Maintenant disponible pour tous les agriculteurs, vous êtes libre et gratuit! I'm free to be me! Le village était autrefois sous shake, mais les grands Impa ont envahi! Il y a une armée d'Impa en fait. Ah bah oui, c'est les femmes de Zelda, donc... Je vois, c'est logique.
Eh, jeune fille, sont-ils entrés par effraction chez quelqu'un sans autorisation? Qu'est-ce que tes parents t'ont donné comme douche? Eh bien, as-tu vu la demoiselle derrière ma voiture? Elle a de l'inconfort. Le puits. Demandez quand une femme pose des questions sur comment manger une poule. Alors, comment manger une poule? Oh, c'est bon. Histoire de briser un peu la glace, on peut toujours poser la question. L'or se construit à chaque fois que tu parles. Oui, c'est clair en fait, hein. Mais les soldats, ils sont responsables du lore en fait. Oh, les soldats sont géniaux, c'est incroyable. C'est les meilleurs en fait. On va faire un petit tour au cimetière. Quelle voiture? Ah bah il a qu'à être derrière sa voiture. Les soldats lore keeper. Pour une fois, je suis bien content de voir le gros nul, tiens. Alors, un voyage vraiment triste. Commence à 18h à 21h chaque année, propriétaire de la tombe. Effacé, c'est l'esprit qui compose les cheveux royaux. Sheikh, patron de la famille royale et fondateur de Kakariko, s'endort et est responsable de cet esprit. Je suis content! Maintenant, 14h47. Je vais bientôt me coucher maintenant. Allons jouer, pouvez-vous trouver des fantômes pendant la journée? Salut Rambouille! Bon, il est où le gros nul là? Il est là. Des filles ne peuvent pas participer au concours gravé affiché le symbole. Je ne pouvais pas faire ça, alors j'ai imité l'esprit d'humidité toute la journée. L'esprit d'humidité. Je suis tellement beau que je ne suis pas du tout triste. C'est pas tant mieux. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Heureusement. Un os, troubadour! Les frères romantiques, il est vieux. C-A-L-M-E. Pourquoi? Attends, mais non, il faut l'analyser, lui. Attends, là. Les frères royaux romantiques, il est vieux, oui. De la poudre de la tombe, cochez le Z. Tiens, et on va parler à Luigi, quand même. Les frères romantiques, appartement pour jeu. Ah, c'est un appartement, lui. C'est trop bien. De la poudre de la tombe, cochez le Z. C'est bon. Allez, on va tuer Mario. D'ailleurs, ils font rien, hein. Ils sont gentils, franchement, on les tue pourquoi. Hein. Quel enfer de il est mort, jeu magnifique. Numéro de téléphone, vous n'êtes pas membre de Ganondorf. Je suis un fantôme, désolé, ma grosse. Je veux te présenter à ma mère. Le mal. Je suis l'un des merveilleux frères compositeurs du village de Kakariko. Je ne savais même pas que tu streamais, et pourtant... Tout le monde dans ce pays est né sous la dynastie des cheveux. Nos frères et sœurs ont également servi la famille royale et étaient destinés à étudier les pouvoirs mystérieux de la famille royale. Même si vous ne comprenez pas la puissance de Triforce, j'apprécie la recherche qui explore ce moment du point de vue de l'incarine. De avion. Termine tes études, hein. Nous sommes célèbres si cet ennuyeux Ganondorf n'essaie pas de voler le résultat pour tenter d'être présidente. Vous ne pouvez pas porter le fruit de l'apprentissage. Nous sortons donc boire pour garder le secret. Pouvez-vous le répéter? Je suis l'un des merveilles. Ah mais non, c'est bon. Ok, il est mort. Ok, mais toi tu racontes. Il est parti l'autre, non? Non, je l'entends en fait. Où est-ce qu'il est parti? Hey Luigi! Un frère de tombe, je sais pas quoi là. Ah, il est là. Est-ce que tu dis exactement la même chose? Je sais pas. Mon dieu, je vais tous et tous, ça y est, quoi? Dois-je payer? Quelqu'un m'a commencé. La princesse Zelda. Non, parlez-nous de notre histoire, car cela peut avoir quelque chose à voir avec la famille royale. Les gens à l'époque l'appelaient une super chanson. Nous avons écrit de la belle musique. Mais notre frère seul n'est pas l'auteur. Notre mission est d'expliquer le pouvoir mystérieux de la dynastie A. Si nous pouvons faire des recherches, notre nom ferait partie de l'histoire d'Iram. Gardez-le confidentiel jusqu'à la fin de la recherche. En fait, nous apprenons chacun une chanson différente. L'un est appelé le soleil et l'autre est la lune. Si vous êtes un vrai membre, nous partagerons les résultats avec vous. L'homme a été enterré dans la tombe du roi. Comment prouver un certificat Triforce? Pouvez-vous le répéter? Et puis là, les réflexes du rando.
Jouer A et C et B pour manger. Du poulet, j'imagine. Zelda tord des coups. Oula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 l
Non, rien à la maison. Gikumania, ça existait dans Final Fantasy VIII, ouais. Voici le journal... Mais c'est une vraie traduction, en revanche. Voici le journal de la vieille tombe. Je veux apprendre à lire. Oui, allez, on apprend à lire. J'ai trouvé un trésor quand j'ai ouvert mon trou. Effondrement du pouring. C'est tellement amusant que je le donnerai à personne. Dirubi le faufilet, c'est un peu de l'arnaque, non? Ah, franchement, Dirubi pour un faufilet, moi je pense que c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est une bonne affaire actuellement. Moi je dirais que c'est bien, Dirubi pour un faufilet. Moi je le valide. Sachant qu'un poisson coûte 200 rubis, oui. Un thon, qui plus est. Attends, non, il y a des gens qui dorment. Enfin, ils dorment pas encore, justement. Salut. Alors, amenez-moi un peu de l'or, là. Regardez ce garçon, mes belles mains sont fatiguées au travail. J'ai très faim. Non, mais lui, le meilleur, hein. J'ai très faim. Je suis en dîner. Déjà 18h04. Chacune de ces personnes travaille comme un demi-humain. J'ai toujours besoin d'une personne à bonne santé. Elle a dit désolé. Bah, c'est bien alors, du coup. Merci beaucoup. Nouveau dans ce pays, les grands Impa ont ouvert le pays aux pauvres. Allons dans ma maison. Je suis salé, par contre. Faut pas être si salé, sinon c'est pas grave. Eh bien, mange-toi si t'es un dîner. Salut. Les gens sont agressifs. Mes parents sentent la mort. Je déteste ça. Oh bah. Oh, ah bah c'est dark tout d'un coup. Hein. Oh là là. Un demi-humain, c'est juste des jambes en fait. Eh non, mais c'est un type de monstre dans les MMO. Seules les étoiles sont visibles car elles ne tombent pas. D'accord. Mon bébé dort et joue à nouveau. Bah, très bien, super. Tiens, on va parler au voleur là. J'ai remarqué qu'il y avait un chef de village derrière la maison. Mais je ne veux pas savoir où sont ses toilettes. Oui, quoi, pardon, excusez-moi. Le chef du village est derrière la maison, je veux pas savoir où sont ses toilettes. Montagne de la mort, il n'y a pas de son sans de vraies idées. À ce stade-là, la route est fermée. Tu comprends ma signature? Hein? Ah, elle mange. T'es un gamin, elle ne comprend jamais rien. Comprends la lettre. Oh, je suis la signature de la princesse Zelda. Voyons, bien. C'est un Tamei, c'est ma vie. Et elle veut y faire face. Ah, guerre. Je vois, la princesse a apprécié le jeu. Le beurre, tout droit. Tu peux désormais voyager. Attention, monsieur le mystère. Au fait, madame l'héroïne, escalader la montagne de la mort nécessite une protection. Après tout, c'est un volcan actif. Lorsque tu reviens au château de Hulle, tu dois visiter le mal à manucure. Ici, ils vendent des logos que tu veux. Dites-lui de vous envoyer le meilleur plat exotique. T'inquiète pas, si tu penses que ça va. Voici mon numéro. Non, je n'ai que des bons conseils, donc j'en veux pas. S'il te plaît. As-tu été dans un heureux magasin de masques récemment ouvert au château de Hylar? Tout le monde déguste. Mes enfants ont peur d'acheter un masque populaire, mais je n'ai pas le temps de partir. Puis-je obtenir un masque la prochaine fois que j'entre sur le marché? Si vous réfléchissez bien, j'en ai rien à faire. C'est comme ça que les vrais hommes travaillent. Ah, lui, c'est un bonhomme. Ah, lui, c'est un bonhomme. Soupir.
bonhomme. Je voulais bientôt arrêter, mais... Je voulais m'arrêter quand je serais arrivé à Dodongo, mais... C'est long d'y arriver, finalement. Riche village riche. Parce que sinon, après, ça va être long de refaire tout ce chemin. Du coup, bon, allez, on peut jouer encore un peu. Ah, mais oui, les Tektites, c'est nouveau, ça. Bentonite rouge. Bentonite rouge. Il saute sur la serrure qui est Z. Allez, on va accélérer un peu, là. Grotte de la grotte de Tangdong. N'entrez pas sans autorisation. Salut mon copain, comment ça va bien? Je suis l'une des pierres goroniques, vivant dans la montagne de la mort. Découvre cette serrure incroyable. Ça bloque l'entrée de Godong, ce qui est très important pour nous les goroniques. Cependant, un jour, de nombreux dodo-gouzes sont rapidement apparus dans la grotte. C'est devenu un endroit très dangereux. De plus, Gaël, dans l'armure noire, a magiquement scellé l'entrée avec cette pierre. Si vous voulez en savoir plus sur Golon... On a visa à visiter la ville. Columbus est accessible à pied. Ne prenez pas le temps de partir. Tant qu'il ne saute pas sur Michel. Hein. Bah, Michel est en mode attaque là actuellement. Ah, Navi. Et si Sariasai te disait où trouver Yal? Hein? Et si Sariasai nous disait où trouver Yal? Ils disent que de belles fées vivent dans la montagne de la mort. Elle ne veut pas te voir. Ah bah c'est pas sympa ça. Ah, y a un panneau là. Mort dans les montagnes. Ah, je serais peut-être passé de ce panneau du coup. Suivez la route de Columbus House. You find the way to my house. Bon, on va le suivre lui parce qu'on veut lui parler. Les gourons ne sont pas appelés des gourons, mais ils sont appelés des galonna, il m'a pas dit. Alors, qu'est-ce que tu vas nous raconter, toi? Je veux quitter cette montagne comme un rocher avec des chaussures florales. Bon! Si je peux faire un pot de fleurs, je serai un vrai homme. Bah, il faut faire sans je sais plus quoi, il faut travailler sans faire je sais plus quoi pour être un vrai homme. Sans rechigner, non, sans se plaindre, je sais pas quoi. Voilà. Sachez que si vous plaignez, vous n'êtes pas un vrai homme. Enfin, c'était peut-être pas ça la phrase, mais je sais plus. Les vrais hommes jardinent. Bah, évidemment que les vrais hommes jardinent. Quand même. Assis-toi et couvre les fleurs qui se répandent au soleil. Tu as une question? Nous avons cassé la fleur, renseignez-vous sur la grotte. As-tu vérifié la grotte? Ça vaut le coup. Les seules montagnes de Mumbai poussent dans les forêts en raison de la très faible luminosité à l'intérieur. En ne faisant rien pour les vrais hommes, voilà, c'est bon. Les plantes en croissance fleurissent, ce sont des usines minières qui poussent sur cette montagne. Et ils ont tendance à pousser dans le noir, comme Bee Cave. Les pompes sont donc de très bonnes dans ces endroits. Si tu as un bracelet goron, appuie sur A pour le récupérer pour toi. Merveille, nature, bottes à talons, dangereux, ne descendez pas. Ah ouais, on va avoir des bottes, super. Luigi est un vrai homme puisqu'il gagne en ne faisant rien. Et oui, la quintessence de la virilité, c'est... Groenland, bah oui, évidemment, voilà, enfin le Groenland. La quintessence de la virilité, c'est Luigi, bien évidemment. Vous en doutiez? Mais non. Oh, j'ai faim! La ville est célèbre pour sa faible nourriture. Ils sont en danger. C'est parce que tu ne peux pas rentrer dans la grotte. La caverne des malades. Les Coréens mangent des rochers. Ah, la fameuse gastronomie coréenne composée exclusivement de rochers. Cave, découvrez les pierres nutritives les plus délicieuses de cave. Mais c'est comme l'histoire ancienne. Ils seront gourmands jusqu'à ce que la pierre ne soit plus disponible. Ensuite, je veux manger un rocher de requin dans la grotte de la grotte. J'adore les grottes de la grotte, des trucs comme ça, c'est incroyable. On dirait qu'il y a quelque chose ici. Ah. Hey ! Une fois sur place, le danger pour les enfants est dangereux. Tu peux tomber. Si ma mémoire est bonne, vous êtes venu manger la pierre rouge. Eh bien, c'est dommage, pas ici. Tamis, n'est-ce pas pour ça que tu es venu ici ?
Tu cherches une pierre fantôme? Dis simplement qu'une délicieuse gemme rouge t'a paru ici avant. J'avais faim, j'ai donc pensé qu'il valait mieux l'enlever un peu. Très interdit, mais c'est parti. Big Brother semble avoir été supprimé. Ce qui va faire plaisir à tous ceux qui n'aiment pas les complots. Il a toujours dit retourner à la pierre rouge. Les frères ont fermé la pièce et ont dit « Veuillez attendre le message de la dinde ici !» Mais qui est la dinde? Ah, je suis tombé. C'est pour ça qu'ils sont si forts des compétitions d'e-sport. Hein? Il n'y a pas beaucoup de visiteurs, d'où viens-tu? Jungle. Hein, c'est quoi jungle? Hein? Les arbres et les arbres peuvent-ils pousser? Je suis plus confus, rien ne pousse sauf les boutons floraux. Il n'y a ni vaches ni noisettes ici. Même les cornes de déchuchu sont rares ici. Je connais le secret pour garder la canne. Lorsque le bâton lumineux est allumé, le feu se transforme en cendre. Appuie sur A pour supprimer avant de traverser. Au fait, je manque l'endroit parfait. Boop. En fonction de la phrase, ouais, non, c'est vrai que j'ai pas d'eau en fait actuellement, c'est assez difficile. Je devais parler à qui moi en fait? Bah oui, en fait je montais beaucoup trop, je voulais parler juste à lui. Ah, j'ai envie de sauvegarder, mais j'ai peur là. J'ai faim et je n'ai que de la nourriture. Pierre de l'âme, les rochers rouges illuminent. Telle notre ville, Big Darnay prend tout. Il voulait rentrer dans la ville pour rester sur l'ordinateur. Ah, Big Darnay! Depuis lors, toutes les lumières de la ville semblent être apparues. Tout le monde ressemble à ça, refusé. Je veux de la lumière dans le chambre de la grande sœur. Comment s'appelle l'épée Bigoron? Ah bah on l'a pas encore l'épée Bigoron. Pierre de l'infinité. Attends, non, attends, on peut taper le... Allongé sur un canapé moelleux pour les invités. Asseyez-vous sur mes pieds. Et donc là, ça va être écrit Zelda tord des coups, là? Zelda tord des coups, mais oui, mais c'est incroyable, Zelda, mais sérieux. Tiens, on va aller parler à Big Darnay. Quelle est cette désolation? Qui es-tu? Messenger, attendez, quand j'ai entendu la vraie chanson, je pensais que je m'étais garé. Tu n'es qu'un enfant. Son frère aîné Korn le traite-t-il ainsi? Daron, le patron Goron, perd-il son statut? Désolé, j'ai faim. Laissez la page maintenant. Tu veux savoir pourquoi je ne vais pas bien? Des créatures anciennes ont infecté des grottes. La récolte de la préservation des fleurs, notre culture spéciale n'est pas bonne. Affamé par manque de pierres. Mais, des questions sur les artères coronaires. Nous n'avons pas besoin d'être des dinosaures. Ah ouais. Mais si je demande à Zelda de tordre des coups? C'est pour ça qu'il voulait rester sur l'ordinateur. Ouais, mais il est un peu tard là. Il est un peu en retard. Quoique, Ocarina of Time à l'époque, il y avait peut-être encore MSN Messenger. Je ne sais pas en fait. Eh bien, je ne veux pas. Je veux demander la musique. Table de matière, non. De l'extérieur de la montagne, vert certainement. Les chansons que je veux entendre sont n'importe quoi, les dinosaures. Ouais, parce que vous doutez des dinosaures, hein. Vous êtes comme ça, vous. Il faut qu'on visite le magasin, là, quand même. Alors, salut. Nous avons fermé l'entrée parce que nous ne pouvons rien vendre. Mais êtes-vous un client régulier? Attends une minute. Pompe. C'est que des pompes. Appuyez sur la touche pour supprimer. Ah non, là c'est si vous êtes une fille. Si vous êtes une fille, vous pouvez l'acheter. Si vous êtes une fille, vous pouvez l'acheter. Ah non, c'est toujours écrit la même chose. Hein. Si j'achète des pompes. Désolé, cette pompe est pour le spectacle. J'ai été vendu à un vrai homme. Oh bah c'est triste. Columbus Rex, l'image ci-dessus est Gorens, vieille maturité. Protégez-vous pour de la perte de graisse. Mantenez Goronen. On va te faire voir, oui. Je n'en doute point, monsieur. Je n'en doute point. Attends, mais je t'ai pas parlé à toi, en fait. Mon petit. J'ai faim et je n'ai que de la nourriture. Demande à la grande sœur des problèmes psychologiques.
Si tu te sens malade, tu es en colère. Il a peur, mais je sais que c'est son secret. Cela ne peut pas ressembler à ça, mais Big Brother adore danser. Quand il y fait face, je me souviens que mon frère écoutait de la musique dans les bois. On passe un bon temps dans le passé, cette chanson me fait oublier. Columbus était encore en vie lorsque toutes les torches de l'avion étaient allumées. Bien sûr, tout s'explique. Alors, mais il faut lire entre les lignes, il y a plein de lore en fait. Ocarina of Time, c'est un jeu complet. On va aller parler à notre ami Saria, et puis j'imagine qu'on va arrêter là. Hein. On va pas aller dans la caverne d'Odongo. Parce que ça risque de faire un peu long sinon. Eh, l'arc! Out! Dame, je suis ravi de te revoir. Écoute le casque. Oh! Traversez ensuite la forêt perdue jusqu'auprès de la forêt sacrée. C'est un endroit rare à visiter. Je suis à quoi? J'écoute de la musique mystérieuse. Vous devez également écouter cette chanson. J'aime les chiens. Et j'aime bien comment lui, il dit tout le temps une phrase random. Si tu aimes, promène-toi dans la forêt. Écoute tes yeux et entends les sons de la forêt, cocotte. J'avoue que j'aime bien comment c'est un hibou qui fait des bruits de cocotte. Je sais plus si vous dites d'autres trucs. Vous dites de nouveaux trucs, vous ? Saria veut rencontrer. La connaissez-vous ? Connaissez-vous donc, du coup, Saria ? Ouais, de toute évidence, tu sors de la forêt, toi, hein ? Écoute tes yeux. Y a-t-il une charge de fronde ? Tu le connais bien ? Appuie sur C et tu peux viser en prenant une photo avec un bouton. Lorsque tu es prêt à utiliser des catapultes, tu peux utiliser Z en te concentrant. Et lui, il parle toujours de son marais, là ? Si vous cherchez Talia, elles sont dans jungle qui a disparu comme d'habitude. Ne dis pas que cet endroit est inconnu. La porte est au-dessus de ma maison. Je sais que t'es perdu, mais t'inquiète pas. Tu as un trou. Tu es... J'ai failli dire qu'il était sympa. J'ai failli dire qu'il était sympa. Talia, c'est un bootleg de Tali. Talia, c'est ma fiancée, je vous permets pas. C'est ma fiancée, arrêtez, vous moquez là. Je vais bientôt jouer le chant de Zelda, vous allez voir, hein, la fête de Zelda. Bon, allons voir Zelda du coup. Ok, les pestes marchandes, elles vendent des trucs. Bah, il y a tout le monde qui veut être ma fiancée. Je reviendrai. Vendez plutôt des fèves d'écho, 20 rubis. Vivons. Alors rentre chez toi. Le beurre, victoire, vendons du bois d'écho à la place, seulement 15 rubis. Alors rentre chez toi, louez, attention. On va tous mourir à cause de Zelda, pourquoi on l'aide en fait? Parce que c'est elle qui... C'est elle la première à nous avoir dit... À nous avoir dit qu'on était... Enfin, que voilà. Genre, on connaît pas la vérité. Résistance à la laine, faites glisser à proximité pour voir le mouvement. Battez-vous s'il vous donne. Résistance à la laine, il s'appelle. Ah oui, résistance à la laine. J'adore cet ennemi, mon préféré. Écoute tes yeux. C'est quoi votre problème avec le beurre? C'est un complot de l'industrie laitière? Mais c'est très bon le beurre. Ouais, on va parler à Talia.
Il arrive bientôt. Et on continuera une prochaine fois. Tout le monde est vulgaire dans ce jeu. Les araignées, Zelda, le vendeur Mojo, c'est une violence horrible. La fameuse règle des jeux vidéo, faire confiance au premier venu. Eh oui, c'est comme ça que ça marche. Salut Zelda, Saria, Talia, ma fiancée. Tu vois, je suis pas parti si longtemps. Je suis déjà revenu. Je reviendrai dans la forêt ou je sais plus quoi, là. Mes dames vous attendent. Ah, parce que t'en as d'autres? Forêt sacrée, ceci est mon endroit secret. Désolé. Un jour, nous nous marierons ici et ce sera un endroit important. On peut pas passer plus de 5 minutes dans ce jeu sans que ça parle d'amour. C'est un jeu à l'eau de rose, en fait. La mer joue ici avec la forêt. Vous voulez jouer à Konkaen ensemble? Ne le fais pas. Bon anniversaire! Rassemblez-vous pour jouer! Maintenant, suivez la chanson que vous... Ah, vous voulez jouer, prêt? Ah d'accord, merci. Suivez la musique de Saria. Ou de fromage ou de politique. Il y a plusieurs dames, il y a plusieurs... C'est pour ça qu'elle est pas si triste qu'on est parti. Parce que oh, j'en ai trois autres au placard, c'est bon. Super, super! N'oublie pas la chanson, d'accord? Si tu veux entendre ma voix, fais la performance musicale Talia. Tu peux me parler à tout moment. C'est un visuel novel avec des phases d'action aventure. J'ai entendu la fondue de Saria. La fondue de Saria, mais c'est génial! Si tu veux entendre ma voix, fais la performance musicale Talia. Tu peux me parler à tout moment. J'ai pas lu du coup, c'était quoi là, la performance Talia là? Jouer la chanson Talia, c'est un peu nul. Voulez-vous parler à Georges? Non! Je veux parler à Talia! Tamei, peux-tu entendre ta mère ici? Désolé de parler de la magie, Ocarina, mais je veux parler face à face. Tu veux parler à nouveau? À Ryo? Non. Oh, Ryo, je sais qui c'est. Je veux parler à Nevis. Pardon, Georges de Savoie. Non, non. Elle veut vraiment me parler? Oui. Limpa a déclaré que la statue était quelque part sur la montagne de la mort. Bon, eh bien, attends, on va aller parler au hibou et après on arrêtera pour de vrai, je pense que... En plus, j'en peux plus, hein. Honnêtement, j'ai pas d'eau, j'ai vraiment trop mal à la gorge. On rit trop, on parle trop, c'est que du dialogue, 100% dialogue, mais... T'inquiète pas, on va remplacer notre Ocarina par la flûte magique et tu resteras dans nos cœurs. Pas du tout, d'ailleurs, ton Ocarina. Non, 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 c'est la flûte enchantée temporelle, je crois, un truc comme ça. Il n'y avait pas plusieurs Impa? Ah si, si, il y a plusieurs Impa, il y a plusieurs Damei. Alors, attention. Hotcot. Tu dis Ocarina avec Sario? La chanson a un pouvoir mystérieux sur ton corps. Tu peux également écouter de telles chansons mystiques, hein, Hyrule. Quand la flûte est sur C et la même, un expert musical apparaît. Mieux vaut jouer de la musique que tu connais. Si tu ne marques pas de but, je te suggère de jouer comme suit. Oh, 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 God, God. Ah oui. Vous voulez en savoir plus? La configuration apprise est enregistrée dans de l'espace 2. Vous devez vous souvenir de ces chansons. Il a volé la flûte de Spiritrex. Pourquoi tu jures le foot? Bon, attendez, je veux juste appeler. Je veux juste parler à Saria, voir qu'est-ce qu'elle veut me raconter de beau. Quel est son conseil finalement? Ouais, faudrait qu'on aille chercher le chant d'Epona aussi. Voulez-vous parler à Georges? Oui. Damei, peux-tu entendre ta mère ici? Ah, c'est donc ma mère! Les succursales en sont connectées à de nombreux endroits. Je peux entendre ma chanson. On doit être placé dans un endroit connecté à la jungle. D'accord. D'ailleurs, j'ai pas lu ce panneau, je crois. Perte de prix. Oui, je n'ai définitivement pas lu ce panneau. Bon.
Voilà, c'était donc le premier stream sur sur la légende légendaire Ocarina. C'est un jeu dans lequel on a bien rigolé quand même. Hein. Je sais même pas si on avait parlé à Spano, on se souvient plus. Positif, le Camprier est un prêt, on n'avait pas parlé à Spano. J'espère que ça vous a plu. On continuera une prochaine fois. Sûrement, sur plus ma voix, je l'entends qu'elle en peut plus. Hein. Je penserai à prendre de l'eau aussi parce que là, j'en peux plus. On continuera la semaine prochaine, je sais pas quand. Donc, du coup, surveillez bien les réseaux, la page communauté et tout, si vous ne voulez rien manquer. Et puis d'ici là, bah, portez-vous bien, buvez de l'eau surtout. Et puis, on va sauvegarder, espérons qu'on ne crache pas. Et non, on n'a pas crash, c'est magnifique! Bref, je vous laisse là, merci de m'avoir accompagné et à la prochaine! Salut tout le monde!